Elle recheck encore. Hein. Ouais. Et boum. Oh, là, oh là, il allait abandonner. Peut-être, c'est ce qu'il est en train de vouloir dire. Hey, Gaël, avec ses deux mots 8 qui collent la relance de Bart Liebert. Oh, Ellie, qui a peut-être trouvé de quoi partir à boîte avec ses 17 500 jetons, ses 9 blindes. Ouais, mauvais timing là pour le russe, ça devrait être payé par Gaël normalement. Voilà, payé par Gaël tranquillement. Si on a un perdre, c'est maintenant. Vaut pas cher. Pour l'instant, tout du bon pour Gaël Bobal. Attention au carreau quand même. On pourrait faire carreau-carreau. Doublette de l'as, de toute façon même une doublette de la dame non, ne changerait rien. Elle est plutôt tranquille. Et monsieur Lee nous quitte. D'ailleurs, en parlant d'histoire de pause impromptue, il y a eu, je crois, j'ai pas entendu l'histoire si elle a été vérifiée, mais quand Benjamin Chalot a pris son gros... oh là là, attention. Ouais, on va rester concentré. On parlera de Benjamin Chalot plus tard, parce que Bart Liebert vient de trouver deux paires quand O'Grady a trouvé le brelon. Waouh. Et Gaël, tirage flush ou tirage flush max, hein, c'est monstrueux. Oh là là, je l'avais pas vu. C'est monstrueux. Boum, 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 deux paires contre brelon, contre flush draw. Alors, c'est O'Grady qui fire, hein. On envoie 9500 payés par le Belge. Est-ce que Gaël veut appuyer sur le champignon? Est-ce que Gaël veut... simplement payer au bouton. Voilà, payé simplement par la française. Un Australien, un Belge et une Française sont dans un coup. L'Italien, je pense, est parti. Quel turn va arriver? Oh, monstrueux. Mais la floche qui rentre pour Gaël Bowman. Alors attention, ce n'est pas terminé, non. Loin de là. Oh, la flush max, elle a 8 chances sur 10 de gagner le coup. Ouais, seulement, ouais, c'est dur parce que voilà, bien sûr, doublette du roi, doublette du valet sur le tableau, ça donnerait un fou à Liebert et un fou à O'Grady. Un doublette du 8 aussi pour l'Australien. Et alors, là, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on engraisse tout de suite? Est-ce qu'on essaye de. On se dit qu'il y a quelque chose, tout le monde est resté dans le coup. On a mis 77 000 au milieu là pour l'instant avec 3 joueurs. On est en mode gavage d'oie là, hein. C'est. Engraissez-moi ce pot! Wow. Ah, ça sent le 8 de pique qu'on nous annonce chez Aztec. J'ai peur pour Gaël. Ouais. Ah, et le 10 de cœur, ouais, ce qui, bon, qui va normalement eh bien, freiner l'action. Et là, la voici parler. Alors, 127 000 au milieu, est-ce qu'elle va faire tout petit ou est-ce qu'elle va faire plutôt gros? Ouais, elle va faire un petit 75 000. Ouais, elle décide quand même de mettre un bon petit morceau là. Ouais. Mais voilà, il allez, arrive passe. Il a pris son temps quand même, on le comprend. Hein. On le comprend à regret quand il verra cette main, l'Australien. Gaël vient de trouver deux as. Ouais, j'aime bien quand les dieux du poker comme ça se penchent sur un berceau. Comble de la générosité, on va donner deux beaux rois à un joueur italien. Elle va just call. Oh là 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 là. Parti pour essayer d'attraper l'Italien. On va tenter de trouver un baby flop. Ouais, elle va prendre l'as. Ouais. Ouais, presque dommage là. Oui, oui, ouais. Même, assez dommage. Elle va rendre la parole à Candelari. Ouais, j'ai peur que ça soit les derniers jetons mis par l'Italien dans cette histoire sur un flop A7-2. Je crois que dans les flops les plus secs de l'histoire, on peut pas trouver plus sec. Il tient une bonne place en tout cas. Ouais, il est quand même très très bien classé. Sauf s'il trouve un roi, bien évidemment, mais. Ouais. Payé par Gaël. Ouais, après, il peut essayer de se persuader qu'elle a deux dames, deux valets et qu'elle ne folde pas sur ce c-bet. J'aimerais bien savoir si jamais si c'est check back, si Gaël peut check encore river. Ah non, il va pas check back. Waouh, l'Italien qui n'arrête pas. Ouais, il a envie de se persuader qu'elle a deux dames, deux valets, peut-être deux 10 dans cette histoire et qu'on va continuer à value ou qu'elle a pas un super as. Elle ne craint rien. Alors, Gaël là-dessus. La meilleure des cartes, tu la connais. Il y a deux cartes qui peuvent être top river. Un roi ou un as. Pour que Candelari se sente beau. Elle ne laisse rien transparaître, Gaël. Allez, un as ou un roi. Oh, oh oui. Que il est beau ce barbu. Allez, on est complètement chauvin. On l'assume complètement. Et là... Elle check. Candelari
qui ne pourra rien faire, qui va devoir payer les 95 000 restants. Ouais, c'est parfait. En plus, Galu lui reste quasi rien. Peut-être même des chances que s'il n'y ait pas eu un roi, elle les mette et elle soit quand même collée. Elle n'a pas encore shove. Je pensais qu'il l'avait fait. Et boum! Oh, il allait abandonner. Peut-être, c'est ce qu'il est en train de vouloir dire. Ah là là, l'Italien qui s'est fait attraper, pas content. Pas content du tout. Ah, il pensait avoir le fouet. Ouais. En fait, c'est lui qui avait la pomme dans la bouche. Yael qui va avoir 2-9. Qui va call en position sur l'ouverture de Rodriguez. Et voilà, l'homme qui peut peut-être secouer ce cocotier. Ouais. Mathieu Di Meglio. Apportez-moi une hache, apportez-moi un tronc, que je vous abatte tout ça. Non, ça va être collé. Ça va être collé à Di Meglio. Et sur 6-3-2, on va faire top pair chez le Portugais. Mais ce qui est bon, c'est Gael à l'overpair. Gael qui a flopé l'un des meilleurs flops possibles avec sa main. Justement, on n'a pas envie de miser très gros dans les pieds de Rodriguez, justement, parce qu'il y a Gael et qu'il y a Meglio, mais aussi parce que la texture du board peut évoluer et de manière à ce qu'on ne puisse tout simplement plus... Enfin, qu'on n'ait plus assez d'équité pour miser, donc on n'a pas envie de miser trop gros avec ce genre de main, typiquement sur ce flop-là. Donc, Allez. 8 de cœur sur la turn, toujours une undercard par rapport au 2-9 de Gael, ce qui est une bonne nouvelle. Oh, il va mettre le second bar à 55 000. Ouais. Elle a joué vite, je pense qu'elle a payé. Ouais, là. Ouais, elle a payé. Ouais, c'est cool. Ouais. Okay. Et le 4. Bon, ce qui est un poil galère, parce que le 5 fait quinte, mais enfin bon, est-ce qu'il y a beaucoup de 5 chez Rodriguez? Peut check back, il y a déjà 300K au milieu. Est-ce que de temps en temps, c'est une des réflexions que tu te fais? Tu te dis, bon, vas-y, il y a déjà beaucoup au milieu. Si, je sais... non, si non, j'hésite jamais. Un peu, non, jamais. Jamais la taille du pot, je ne pas sur. C'est vraiment l'interaction des ranges et tout. Si je pense vraiment que voilà, mais non, la taille du pot, c'est pas une raison pour arrêter.